je voulais même pas la faire cette vidéo. Ah, je voulais même pas la faire cette vidéo. Et même, je veux changer de perruque. Oh, tu sais quoi, on va mettre celle-là. On va mettre celle-là, c'est pas grave si ça prend 2 minutes, mais on va la mettre parce que moi je ressemble à Neymar. Pour quelques minutes, je ressemble à Neymar, tu vois. Et je sais qu'il y en a qui vont rigoler, mais bon, c'est la vérité. Ah, oh, c'est pas possible. On aura tout vu, franchement. On aura tout vu. Tu mourrais. On aura tout vu, les champions, les championnes. On aura tout vu. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Vous ne rêvez pas. Vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais débriefer le PS coulé. Le PS coulé. Ils ont coulé le béton. Ils ont coulé la dalle. Ils ont coulé la dalle depuis qu'ils ont perdu face au Real. Ils ont coulé la dalle, les gars. Ils ont coulé la dalle. En fait, j'explique. Ils devaient soit gagner, soit faire un match nul. Pour une fois qu'il y avait quelque chose à leur défaveur. Ouah, vaut mieux les applaudir, hein, franchement. Les supporters, pour une fois qu'ils applaudissent qu'une fois dans l'année, ils doivent être contents. Pour une fois que le parc est content. Eh ben moi j'y amènerai ma fille à ce parc-là, une fois dans l'année, ça va pas me coûter très très cher, t'es. Oh franchement, donc qui devait soit être Paris, soit gagner et que Marseille perd, ou soit faire nul et que Marseille ils perdent aussi. Ils ont fait nul et Marseille a perdu. Marseille a perdu, oh. Mais de quelle manière? En plus, face au Nantois, face au Nantois, face au public le plus chaud en France, face à des vitrines de billets, ils ont perdu. Face à des boulangers, ils ont perdu. Face au Nantois, ils ont fait match nul face au Nantois. C'est un match qui va se jouer dans la seconde partie de la seconde mi-temps. C'est un match qui va se jouer dans la seconde partie de la seconde mi-temps. Et ouais, ça va se jouer dans la seconde partie de la seconde mi-temps. Parce que. Il y a le PS coulé. Qui a failli couler. Qui a failli se prendre des litres et des litres de l'ansoir et de bière. Mais ils n'ont pas coulé. Car à la 65e minute. Ils ont marqué un but par le petit Vutel venu de nulle part et qu'on connaît personne qu'on a à Paris. Eh ben, il va marquer et c'est Lionel Messi qui va marquer. Mais Lens, ils vont recevoir un carton rouge à l'image de ma perruque rouge, t'as vu? Ils vont prendre un carton rouge. Eh ben c'est pas grave, ils vont continuer à jouer, ils vont égaliser. Mais tu me diras quelque chose, tu vas me dire si t'es d'accord avec toi, avec moi, les champions, les championnes. Ils vont faire nul, Paris, ils vont être champions. C'est normal, ils sont champions de France, ils ont que ça à fêter. Il n'y a même pas eu d'événement pour le titre. Il n'y a pas eu d'estivité. Oh, Ramos. On parle de l'avenir à Mbappé, tout ça, de Messi, de calamar de Neymar, de flemmard de calamar de Neymar. Je vous rappelle que Mbappé, il a posé ses conditions pour rester à Paris. Il a dit que les phases roi des stars et tout, ça devrait être, tout le monde devrait être logé à la même enseigne. En tout cas, c'est Kylian Mbappé qui le dit en personne. Et je suis d'accord avec lui. C'est pas le PSG, c'est le PS coulé, c'est le Club Med au PSG, c'est le Club PSG, Club Med. Oh, c'est normal. En plus, voilà le match, il était pourri ce match. C'était un vieux match, on aurait dit un vieux match des années 70. Oh, Sergio Ramos, il est content là sur Instagram et tout, il fait des stories et tout.
la semaine dernière, il a marqué un but à Nantes, un vieux but de la tête. On aurait dit Papin qui marquait. Voilà. On aurait dit le Papin qui marquait, tu vois. Tu me diras. C'est le peu de supporters qu'il en reste. 3 tonnes jus, 3 pelés au Parc des Princes. Hein. Le Parc des Princes, il va plus s'appeler le Parc des Princes. Hein. Il va s'appeler. Les 3 tonus, les 3 pelés, hein. En plus de ça, moi ce qui me fait le plus rire, c'est que ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, mais pour eux ils l'ont gagné. Vous savez pourquoi? Parce que vous, est-ce que vous savez pourquoi? Mais moi ça me fait rire, c'est ça qui me fait rire. C'est parce que ils ont voulu. Alors là, on va rigoler, les champions. Là, vous allez rigoler. Mais on va rigoler. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions depuis le temps qu'ils annoncent qu'ils voulaient la gagner et qu'ils veulent la gagner. Parce que eux, ils doivent rêver sur. Ils ont un beau oreiller, mais ils doivent bien rêver. C'est beau de rêver la nuit. Franchement, quand j'ai entendu ça, si vous voulez mettre une étoile pour le 10e titre du PSG, là je vais clash tout le monde. Hein. Les supporters parisiens, la confondez pas avec la vraie étoile qu'ils ont. Nous les Marseillais, la vraie étoile elle est en Marseille. Allez demander à Basile Boli si c'est pas vrai. Et tous les clubs qui l'ont gagné, le Real Madrid, Chelsea, tout ça, pourquoi eux ils ont pas des étoiles? C'est peut-être moi qui m'y connais pas. Mais eux, au moins, ils ont gagné une vraie Coupe d'Europe. Ils n'ont pas gagné un titre là qui sert à rien. Un titre là que tu vas mettre en statut chez toi. Qui va rester empaillé, qui va prendre la poussière pendant quelques années. Et ouais. Alors oui, le Sergio Ramos, ah c'est sûr, il a dû faire de la mousse, hein. Ah, c'est sûr qu'il a dû faire la mousse, hein. Mais franchement, voilà. Franchement, je vous le dis, hein. Au PSG, au prochain mercato, les champions, ça va plus s'appeler le PSG, hein. Ça va s'appeler le PS coulé. Parce que tellement ils auront gagné de titres de champion de France, avec l'étoile, ils vont couler, là. Ils vont couler. Ils auront vu les étoiles. Même Pesquet, ils n'auront pas vu l'étoile. Même Pesquet, il n'aura pas le temps de la voir. Donc, les champions, j'espère que vous allez bien. Je vous invite également à partager cette vidéo, à me dire ce que tu en penses de mon débrief. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je t'invite également à me lâcher des commentaires. J'aurai plaisir à échanger avec toi. Je t'invite également à me lâcher des commentaires et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, j'espère que votre frère se porte bien et que votre diamant va bien. On se trouvera dans une prochaine vidéo. J'espère que votre frère se porte bien.